Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Comme disait Sully, le Manuel Valls du bon roi Henri IV, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Aussi, compte tenu de la vie sentimentale plutôt olé-olé de notre bon président, on peut penser qu'il manifeste à l'égard de l'agriculture le même intérêt qu'à ces deux attributs incontournables de l'anatomie féminine. Tout ça pour vous dire que le François, il s'est pas fait prier pour y aller au salon de l'agriculture. Et dès Potron Minet, il était là le premier jour à 7h du matin pour montrer aux gars de la campagne qu'à Paris aussi, on peut se lever tôt. Oh, bien sûr, il n'est pas arrivé tout seul. En loose dé, façon surprise-surprise. La discrétion à l'heure du laitier, il est ça à Giscard. Ce jour-là, il y avait du tambour et de la trompette. Bah, il faut que ça se sache que le président s'intéresse aux pécores, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Les mamelles ont de beaux restes et pèsent encore au trébuchet de l'électorat. À peine arrivé, il a été présenté à une jeune fille qu'il a caressée tout de suite. Une belle rougeaude prénommée Filouze, la star du salon. Oh, ils se sont tout de suite très bien entendus. Ils sont pays tous les deux. Elle, elle vient des Flandres et lui s'appelle Hollande. Bah, ça crée des liens. Malgré tout, avec les bestiaux, le François, il n'a pas la décontraction du Jaco Chirac. Oh, lui, c'était un maître. Une spontanéité pour flatter la croupe de la main gauche et enfourner le saucisson de la main droite. Il parlait pas, le Jaco. Il vivait l'instant, à l'aise avec les gars à casquette, comme s'il avait gardé les vaches avec eux, sans avoir besoin de faire des phrases, tout en apostrophe et en interjection. Alors, ça va? Oh, elle est belle, celle-là. Elle pèse combien? Tiens, je prendrais bien un demi, moi, puisque c'est offert. Notre président, lui, il n'était pas là pour rigoler. Il était en service commandé pour s'assurer les bonnes grâces d'un électorat prompt à déverser du fumier quand on le contrarie ou à bloquer les routes à grand renfort de moissonneuses-batteuses si les directives de l'Europe commencent à lui chatouiller les bretelles. Alors, notre François Hollande, au détour des stands, il a posé des questions à la façon de celui qui s'intéresse, en se tournant fréquemment vers son ministre spécialisé, Monsieur Le Foll. Bah, qui s'y connaît forcément en cochon et en patate puisqu'il est breton. Oh, d'ailleurs, il paraît qu'il s'est fait engueuler par le président, le ministre. Bah oui, François voulait qu'il porte un chapeau rond et qu'il joue un air de Biniou pour calmer les ardeurs des bonnets rouges. Bah, l'autre a pas voulu. Bah, mais non, François, j'ai une tête trop grosse, y a pas un chapeau qui me va. Quant à mon Biniou, je m'en sers plus depuis longtemps, je sais même plus comment ça marche. Se sentant décidément bien seul, le président Hollande a arpenté les allées du salon en s'essuyant la bouche au fur et à mesure des portions de nourriture que les exposants lui fourguaient. Entre un bol de soupe et un morceau de boudin, il lui arrivait d'articuler un « Je comprends votre situation, elle n'est pas facile. Mais la mienne non plus, vous savez. Ayez confiance, tout va s'arranger. Et dites-vous bien qu'avec un peu de chance, en 2017, je ne serai peut-être plus là. » Eh bien voilà mon cher Philippe, et à la semaine prochaine. Oui, merci Philippe. À dimanche.